bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tout premier épisode du Char Inconnu. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelques chars qui n'ont jamais connu la production à grande échelle. Des chars qui n'ont été construits parfois qu'à un seul exemplaire. C'est parti! En premier, nous avons le SEAM, S-E-A-M, qui est une variante de l'AMX 38. Ce prototype expérimental fut développé en 1940 par la Société d'études et d'applications mécaniques. Il était doté d'une transmission essence électrique, mais aucun armement ne fut jamais installé. Nous passons désormais au second char qui est le Genesis, ou Genesis, qui lui est une variante du char léger H35. En écho d'une demande d'un char d'infanterie en 1933, la firme Hotchkiss proposa, en 1935, un prototype. Malheureusement, elle avait été devancée par la firme Renault dont le R35 avait déjà été commandé en grande quantité et le projet Hotchkiss fut rejeté. La commission d'estimation, qui était cependant tombée sous le charme de certaines caractéristiques du prototype de Hotchkiss, fut en définitive refroidie par la faiblesse du blindage, le manque de puissance et une mauvaise répartition du poids ainsi qu'une mauvaise suspension. Ce dernier point handicapait le char en terrain difficile. Voici notre troisième blindé qui est certainement le char le plus intrigant de cette vidéo. Il s'agit du M1932. Pour comprendre ce projet, il faut se pencher sur quelques caractéristiques étonnantes de ce char. Le moteur prévu était un V12 Hispano Suiza capable de développer 700 chevaux, ce qui explique sa vitesse théorique de 160 km par heure. Lorsque le véhicule était sur ses roues, les chenilles déposées étaient transportées sur les garde-boue. Les roues avant pouvaient être braquées sous l'action d'un volant. Les roues intermédiaires pouvaient tourner librement. Seules les roues arrière étaient motrices. Blindé à 13 mm sur le devant et à seulement 9 mm sur les côtés, le char ne pesait que 5 tonnes. L'armement se composait d'un canon de 75 mm à tube court et à débattement très réduit, et une mitrailleuse. Dans la pratique, malgré quelques essais de roulage, ces premiers prototypes ne furent jamais vraiment terminés. Suite à des ennuis financiers de Walter Christie, une petite série de 3 chars fut terminée avec des moteurs de Liberty de 400 chevaux et des tourelles plus classiques nommées T3. Nous allons clôturer cet épisode sur notre char inconnu. Voici le tout dernier char sur lequel nous ne savons pas encore grand-chose. Au début, nous l'avions pris pour un photomontage, étant donné son aspect, déroutant. Il s'agit en fait d'un char soviétique T-54 débarrassé de sa tourelle pour accueillir un réacteur de MiG-15. Oui, vous avez bien entendu, un réacteur de MiG-15. Son utilité originelle était de déminer de grandes surfaces, mais par la suite il a été récupéré afin d'être utilisé pour moucher, comme on appelle ça, les feux de puits de pétrole. Il ne s'agit donc pas du char à la théorie incroyable du canon laser, mais ça aurait pu faire de plaisir de rêver de ça. Eh bien voilà, c'est déjà tout pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que certains de ces chars, pour le moins bizarres, ont réussi à vous séduire. Dans la foulée, nous avons pu faire quelques découvertes de notre côté aussi. Comme l'a dit un jour un grand scientifique, il ne faut pas croire qu'on sait tout, car tout au long de notre vie, on continue d'apprendre jusqu'à notre mort. Merci d'avoir regardé notre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche des notifications. Pour ce qui est de notre vidéo, il est vrai qu'un petit pouce bleu et un petit partage font extrêmement plaisir car il s'agit là d'une façon de soutenir notre travail. Allez, à plus tard pour une prochaine vidéo.